Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Vous allez découvrir vos énergies de ce jeudi 22 août pour chaque groupe astrologique. Je vais vous transmettre les messages de vos anges, les énergies grâce au tarot des anges gardiens. Vous aurez des messages supplémentaires du tarot divinatoire, du tarot classique. Je me présente rapidement avant de commencer. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, si vous souhaitez consulter tous mes services de consultation en audio, en vidéo, par téléphone et les cours, les formations sur le tarot que je propose, vous avez le lien ici sous cette vidéo de mon site. Cliquable et puis abonnez-vous à la chaîne si mes vidéos vous plaisent, si elles vous aident, vous pouvez vous abonner, c'est totalement gratuit et veillez également à cliquer sur cette petite cloche pour recevoir les notifications et ne rater aucune de mes vidéos tous les jours, toutes les semaines et tous les mois. Allez, on commence tout de suite par les signes d'air, les balances, verso et gémeaux pour ce jeudi 22 août. Allez, une carte est sortie, ça a été rapide. Et nous avons le 6 de la prospérité. Vous allez recevoir un cadeau aujourd'hui. Alors, ça peut parler d'un cadeau physique comme ça peut parler d'un cadeau de l'univers. Hein. Ça peut parler de l'aide d'un personnage clé qui va pouvoir en fait vous accompagner, vous aider dans tous vos projets ou dans un projet qui vous tient à cœur. Ça peut parler d'une issue positive à une situation conflictuelle. Donc, ça peut parler de trouver des solutions aujourd'hui ou de trouver vos réponses aujourd'hui, voire les jours à venir. Et puis, ça peut aussi parler d'une aide de vos anges, d'une aide de l'univers aujourd'hui parce que vous avez besoin d'être soutenu et vous allez retrouver la foi au cours de cette journée. Et en retrouvant la foi, vous allez pouvoir écouter votre voix intérieure et écouter les messages de vos anges. Je vous lis son message. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Donc c'est vrai que ce cadeau, ça peut parler également d'une nouvelle proposition professionnelle. Ça peut parler du retour d'une personne du passé que vous attendiez, d'un ami, d'un proche avec qui vous étiez en froid. Il y a réellement ici beaucoup de partage de bienveillance et de la joie que vous allez pouvoir ressentir de nouveau grâce à cela, grâce à ce cadeau de l'univers. Acceptez-le avec humilité, gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc vous avez énormément donné, vous allez recevoir en retour. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc si vous avez ce projet-là, eh bien lancez-vous, faites-le. Allez, je vous donne un message supplémentaire du tarot classique. Ah, une carte s'est retournée. Hop, et qu'avons-nous? Eh bien, nous avons une carte qui vous ressemble bien, les signes d'air, la justice. Ce besoin d'équilibre. Et cet équilibre, vous allez le retrouver suite à ce cadeau de l'univers. Ça peut parler d'une décision de justice qui vous sera rendue. Donc, ça peut parler justement de ce cadeau que vous n'espériez pas. Ça peut parler aussi d'une décision que vous allez prendre parce que vous allez être poussé justement par vos anges, par l'univers, pour prendre cette décision et ne plus retarder l'échéance. Donc, cette décision, vous allez la prendre, évidemment, après avoir bien pesé le pour et le contre, après avoir analysé votre situation. Ça peut parler aussi de remettre de l'ordre dans votre vie ou dans vos papiers, hein, de façon factuelle. Ça peut parler de la signature d'un contrat professionnel pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous vont également passer un concours administratif ou envisagent de passer ce concours, donc vous êtes vraiment sur la bonne voie de réussir. Il y a réellement cet équilibre, cette justice dont vous avez besoin dans votre vie, cette équité que vous allez retrouver au cours de cette journée, voire les jours à venir. Allez, nous passons au signe de terre, les Capricornes, Taureaux et Vierges. Quel est le message de vos anges? Et nous avons guérisseur de la pensée. Donc les signes de terre, aujourd'hui, vous allez remettre de l'ordre. Vous allez faire un tri, que ce soit un tri dans vos papiers ou un tri dans votre entourage professionnel, amical, parce que vous avez besoin réellement d'y voir clair pour pouvoir avancer. Ça peut aussi signifier que vous êtes en train de vous éloigner de certaines personnes qui
qui absorbe votre énergie, qui vous vampirise en quelque sorte, que ce soit dans votre entourage professionnel, personnel ou même sentimental. J'ai ce sentiment que certains d'entre vous s'éloignent d'une relation passée qui a été douloureuse, qui a été toxique, pour véritablement tourner la page et avancer. Je vous lis son message. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Voilà, donc ça peut parler justement de vous débarrasser de ce qui vous entrave, de ce qui vous a fait mal ou de ce qui vous fait mal encore aujourd'hui. Ça peut être lié à une relation sentimentale ou à une relation professionnelle. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous mais qui ne vous donnent jamais rien en retour, exactement. Une personne peut-être vous sage, perspicace, aimante, ayant un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Donc vous avez besoin de partager, c'est ce que vous allez retrouver aujourd'hui, voire les jours à venir, parce que vous allez attirer vers vous des personnes dignes de confiance, des personnes qui vont vous donner en retour. Donc il y aura énormément de partage. Allez, je vous rajoute un message du tarot classique. Hop, une carte à sauter. Et nous avons eh bien, le 2 de Pentacle. Donc oui, hein, certains d'entre vous jonglent entre plusieurs possibilités, entre plusieurs opportunités. J'ai ce sentiment qu'il va falloir faire un choix, qu'il va falloir prendre une décision. Et vous le savez au fond de vous pour mettre de l'ordre dans votre vie, pour vous vraiment vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, que ce soit des personnes ou des situations. Donc depuis longtemps, c'est vrai que vous jonglez entre plusieurs situations ou entre plusieurs voies professionnelles, pourquoi pas, hein, vous pourriez occuper plusieurs postes. Vous jonglez également entre diverses situations émotionnelles, mais aujourd'hui, vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et vous savez qu'il va falloir prendre une décision, qu'il va falloir gérer cette situation en tranchant cette situation justement et en prenant cette décision qui va vous conduire vers une réussite, vers une avancée, vers également une quiétude et une sérénité intérieure. Allez, pour les signes de feu, les béliers, lions et sagittaires, qu'avons-nous pour ce 22 août? Et nous avons la majeure, maître spirituel. Alors c'est vrai, ce n'est pas une carte très active, c'est plutôt une carte qui parle de lenteur, qui peut parler aussi de retard, ça peut parler de retard administratif, hein. Ça peut parler aussi de retard dans l'évolution de votre projet, ça peut parler au niveau personnel d'une solitude hein, que vous traversez, ça peut être une solitude subie suite à une rupture sentimentale ou professionnelle, qui justement eh bien, aboutit à des restrictions, ça peut parler aussi d'une solitude que vous souhaitez pour vous retrouver, pour prendre le temps de la réflexion. Et ici, vos anges vous encouragent justement à prendre le temps pour réfléchir, à prendre le temps pour vous, pour analyser votre situation, trouver des solutions, des réponses et passer à l'action. Si vous vous posez la question, est-ce que ma situation, elle avance ? Elle avance, certes, lentement, mais sûrement. Ça peut parler aussi de quête, hein, de vérité. Ça peut parler aussi d'une recherche que vous entreprenez par rapport à une situation bien précise. Et puis, ça peut parler aussi de recevoir des conseils, un enseignement de la part d'un guide. Certains d'entre vous pourraient envisager de retourner à l'école ou pourraient envisager d'apprendre. Et puis, ça peut parler de vous, hein, vous pourriez transmettre à d'autres personnes. Je vous lis son message. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Donc ça peut parler hein, de vous, hein. Vous pourriez être le guide justement pour d'autres personnes. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc c'est un excellent conseil de vos anges. Cherchez réellement un guide, un mentor, un thérapeute si votre vie ne vous comble pas, si vous avez besoin de réponses, de solutions. Faites-vous aider, n'hésitez pas. Allez, je rajoute un message du tarot classique. Allez, nous avons, waouh, une autre la majeure et pas la moindre, elle est magnifique, la roue de fortune. La chance est à vos côtés, il y a bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle, même si vous trouvez que votre situation ou que votre projet avance très lentement, mais il avance. Vous êtes en train de tourner la roue
en votre faveur. Il y a réellement un déblocage de votre situation qui est en train de se mettre en place. Ça peut prendre du temps, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 8 mois, ça peut prendre une année, mais vous allez tourner cette roue. En tout cas, vous êtes en train de le faire. Donc, réellement, saisissez ces opportunités qui viennent à vous. Créez-vous ces opportunités, justement, pour pouvoir tourner cette roue, pour pouvoir débloquer votre situation. Mais il y a réellement des changements qui se profilent pour vous. Hein. Donc, ça peut parler de façon factuelle d'un déménagement. Ça peut parler également d'un changement professionnel, d'un changement de vie, de vous créer vraiment une vie, en quelque sorte, qui vous ressemble vraiment. Donc, c'est bien la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle pour vous. Hein. Allez, quel est le message pour les signes d'eau, les cancers, poissons et scorpions pour ce jeudi 22 août. Et nous avons l'as de la pensée. Une très très jolie carte avec ce chérubin, ce petit enfant qui est vraiment heureux. Donc oui, hein, vous allez être heureux aujourd'hui, vous allez vous sentir inspiré. Il y a une nouvelle idée que vous allez trouver qui va pouvoir débloquer votre situation. Ça peut parler d'une annonce qu'on va vous faire, d'une bonne nouvelle pour vous qui va vous permettre vraiment d'être en confiance. Je vous lis son message. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet, c'est un excellent conseil. Vous devez communiquer avec les autres, que ce soit avec votre entourage professionnel, avec vos collègues ou avec vos amis ou avec votre partenaire sentimental si vous êtes en couple, pour pouvoir vraiment passer vos idées, pour pouvoir vous exprimer, pour pouvoir vraiment retrouver cette confiance dont vous avez besoin pour vous réaliser pleinement. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ça peut parler, oui, de petits changements de dernière minute qui pourraient vous déstabiliser. Mais voilà, vos anges sont là, ils sont présents. Ne vous découragez pas suite à ces petits changements ou ces petits accros hein, qui pourraient vraiment vous retarder justement votre évolution. Mais il y a réellement une évolution. Ce sera une journée plutôt positive pour vous. Je rajoute un message du tarot classique. Et nous avons la reine de bâtons que voici. Une carte vraiment magnifique qui parle bien de nouvelles idées, qui parle bien d'être inspiré, qui parle bien d'être en confiance, de vous sentir réellement à votre place. Ça peut parler de nouvelles idées également, hein, ce qui conforte cette carte hein, avec ce chérubin qui vous annonce justement une bonne nouvelle et qui annonce également que vous allez avoir de nouvelles idées aujourd'hui, et ce qui va faire que vous allez avancer beaucoup plus rapidement, ce qui va faire que vous allez débloquer votre situation, que ce soit votre situation personnelle, professionnel ou matériel. Voilà, donc j'espère que ce tirage va vous aider, va vous éclairer pour ce jour. Merci d'avoir visionné la vidéo, merci de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours parfait. Merci également de votre confiance. Si vous souhaitez aller plus loin, avoir une lecture personnalisée en audio, en vidéo ou même par téléphone, vous avez le lien de mon site cliquable pour consulter tous mes services. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous retrouve demain. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.